Ici Gardoum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la sixième partie de The Cave. J'ai failli pas la faire là, là concrètement il est dimanche, enfin dans la nuit de dimanche à lundi, 3h20 du mat, et je me suis rappelé, j'ai fait mince, j'ai cette partie là à faire. Du coup, pour vous, je fais ça. Pour vous, je serai fatigué de mon travail, mais c'est pas grave. Faut avouer que c'est un plaisir. Donc pour rappel, la dernière fois, voilà, on est arrivé ici à peu près, où du coup j'ai une boîte de conserve, je ne sais pas quoi faire. J'ai un chien, j'ai un perroquet qui veut bien me suivre. Aïe. Ouais, j'avais presque oublié que de ce jeu on n'est pas immortel. Est-ce que ici il peut sauter sans mourir? Oui, ok, très bien. Que puis-je faire? Et maintenant, que vais-je faire? Aïe, aïe, attendez, hop. Voilà. Hop, on jump. Je sais même pas ce que je peux faire avec cette boîte. Enfin. Ok. D'accord, donc à la base j'avais mis tout le monde un petit peu là-dedans. What? It's the hold-up. I don't want to spend another day on this wretched island. Toi, le fémur. Qu'est-ce qu'on fait avec le fémur? Je sais pas, je peux peut-être faire crier le chien. Ok, voyons voir ça. Mince, si j'oublie la boîte, donc ça, je sais que j'avais le perroquet avec. C'est une bonne chose déjà. Allons chercher le perroquet. Oh, ce jump, c'est des machines de guerre, les gosses, quand même. They are a guerre machine. Alors, perroquet, perroquet. Oui. Hop. Désolé, hop, quelques petites gestions youtubiennes à faire. Du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai peur, ok là. Salut! Je peux rien faire. Toi, qu'est-ce que tu peux faire avec ton os? T'as un os. Va chercher! Allez! Go chercher! Vas-y! On va aller chercher le chien. Est-ce qu'on peut ramener le chien? C'est un peu gênant, il me semble qu'il n'y avait pas de. Et la saucisse n'a rien à faire avec ce niveau-là, je crois. Ah mais non, mince. Ok, parce que là le perroquet, je suis désolé hein. Je suis en train de capter que le perroquet faisait un bruit bizarre et il imitait l'aboiement du chien. C'est bizarre. Donc vas-y, on va chercher le perroquet. Première chose faite, ok. Ah, il continue de faire l'aboiement. Je vais garder ça en tête parce que c'est intéressant. J'ai aucune idée de pourquoi il aboie, mais c'est bizarre. je sais pas, il y a un truc suspect. Parce que concrètement dans le bateau, il n'y a pas de place pour tout le monde, du coup. I forgot my dog. You wait here and I'll be back in a flash. Don't leave without us. Spanky gets his own seat, so someone will need to swim. Bah oui, évidemment. Quelqu'un doit nager. Hop, allez, tout le monde est dedans, c'est parti pour la suite. I'm no lawyer, but maritime law clearly allows for the abandonment of annoying hermits. And really, the stranding of a lone hermit pales in comparison to what we've seen from these three so far. I do wonder if any lessons have been learned this evening. Maybe by you and me, but I fear not by them. Well, we shall see soon enough. J'ai appris que l'homme aimait beaucoup son chien. Aimait beaucoup son chien. Oula, j'ai du mal. Y a beaucoup de requins quand même. Y a beaucoup de requins, c'est pas GG ça. Très bien. Ah, soit. Réservé aux employés. Bonjour. Bah oui, du coup j'ai pas de clé. Ok, là y a rien. Rien du tout, hein, qu'on soit bien d'accord, voilà, que je joue pas un item. Bon, bah écoutez, on va voir ce qu'il y a. Salut. Well, you took long enough. I was gonna send out the search party, but they're still looking for the last group. You didn't happen to run into an annoying clown, did you? That doesn't matter.
We just got a new shipment of trinkets that should satisfy your every desire. But I can't give them to you without suitable replacements. So, take this giant novelty-sized key, again, and open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. D'accord. Bon. Bah écoutez, qu'à cela ne tienne, allons voir ce qu'on peut faire avec la clé, je... Alors pendant ce temps-là, eux, ils se prennent la douche de leur vie, mais ils sont... Non, mais okay, pas de galère, non, mais je devais me shampoigner les cheveux, tu vois. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici, à part rien. Très bien. Allez, descends. Il y a des trucs violets un peu bizarres, c'est étrange. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Il se moque de tout. Qui? L'amour s'invite. Qu'est-ce que ça fait, ça? Alors, attendez. Concrètement, je peux activer ça. Non, je peux pas activer. Ah non, d'accord. Bon, ce n'est pas activable. Qu'est-ce qu'il y a ici? Mais j'ai aucune idée d'où je suis. D'un côté, c'est un peu gênant. D'un autre côté, c'est bien de découvrir l'inconnu, tout ça, mais... Chaque fois, il y a toujours dans chaque niveau, en fait, un repérage des lieux à faire qui est assez particulier. Et après, il faut essayer de mémoriser les différents points. Mais... C'est pas le début du jeu, ça? C'est terrible, c'est affreux. Pardon. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux choper? Est-ce qu'il y a des items cool? Est-ce qu'il y a des... Concrètement, qu'est-ce que je peux en faire? Je peux pas aller à gauche, y a rien. Allons à droite. Je ne sais même pas ce que je cherche, des items à échanger. Mais je... Alors là, vous me voyez un peu perplexe, hein. Si vous voulez, j'ai aucune idée de ce que je cherche, ni la façon dont... ni comment je suis censé procéder pour les obtenir. On va... Alors, avant d'aller là, on va quand même... Je fouille un petit peu partout. Ah, non, je peux pas faire ce jump. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il a la pépite à donner? Donne la pépite. Coucou. Ok, il réagit pas. Allons voir ce qu'il y a là-bas, du coup, maintenant. Hop. Le mec, je pique sa pépite, mais no care. Qui est-il donc ici? Appuie. Et ça me fait remonter là-haut, peut-être. Et je donne la pépite au gars. Très bien, on va essayer de monter l'échelle avec eux. Bon, sinon avec eux, de toute façon, je peux très bien faire appuyer, laisser les fantômes autre part. Oh, c'est l'ermite. En fait, je revois... Ah, mais attendez, je peux peut-être récupérer le chien. Ah, d'accord, ok, je vais récupérer tous les items de chaque niveau, en fait. Ah, c'est rigolo, ça. Ok. Avec lui, bah, on va essayer d'aller nager. Ah, donc ça, c'était le premier niveau, il y avait les trois. Ensuite, il y a eu le château, donc c'était pour lui. Il y a eu... La maison, c'était pour les petits. Oh, c'est trop classe! Et du coup, je devrais pouvoir monter. Enfin, j'espère monter dans l'ascenseur, sinon je vais devoir chercher un autre chemin. Ce qui ne m'arrangerait guère. Soit. Du coup. Hop! Oh. Le mec est tellement content, il y a tout qui tombe. Ok, du coup, remontons là-bas. Hop, j'espère que ça vous a pas trop explosé les oreilles. Si c'est le cas, vous m'envoyez désolé, j'avais pas prévu que le casque tombe. Grimpe. Et elle est vachement balèze quand même, le gars, parce que à une main et sans les jambes. Moi, je pense que juste à une main. Déjà, à une main, je pense que je le fais pas. Mais au cas où je le fais à une main, je pense que j'ai besoin de mes jambes. Je balance pas mes jambes comme ça. Donc, un premier item rapporté. Bonjour, je suis le chevalier. Coucou. Tiens. Splendid, that will look nice on the shelf. Taking the thing someone else desires most was a stroke of genius. There you go. Oh, badass. Je... D'accord, je peux juste aller là et mes autres persos. Non, parce que concrètement, je veux bien aussi les autres objets, quoi. Allez, saute. Je peux plus.
Bon, bah écoute, je dois monter manuellement. Je peux faire I, je peux faire... Ah oui, non, il est sur 1, j'ai plus les autres persos. Très bien. Oh, that is very nice. After all, possession is 9/10 of the law. That other 1/10, enjoy. D'accord, eux le truc qu'ils veulent le plus. Alors, un chevalier, une épée, je peux concevoir. Eux le truc qu'ils veulent le plus au monde, c'est de la mort au roi. Parce que le chevalier qui veut une épée, voilà, ça peut être un symbole d'une quête de noblesse. Il veut tuer des dragons, il veut sauver des princesses. C'est classe. Eux, ils sont juste complètement torturés, les gosses, quoi. Tout va bien, tout va bien. Et du coup, la troisième, c'est juste une statue en disant je suis trop forte, je viens du futur. En effet. Oh, you've outdone yourself on this one. Le pauvre chien. I don't think its rightful owner will miss it much. You earned it. Trop bien. Par contre, en fait, ce que je crains le plus, c'est le chien qui est exposé, quoi. Parce que bon, le reste, c'est des objets, ça craint pas, mais. This is just a dog, dude. Ah, le chien, j'espère qu'il va bien, qu'il ira mieux demain matin. Que les rimes. Et bref, du coup. Serait-ce la fin du jeu? Il y a des chances? Il y a des chances, il y en a qui vont être déçus. Ouais, en effet. Ah, well, c'était là you might think of this evening as a failure, but it was not. True, our friends did not learn the lessons they were meant to. They are destined to choose a path that can lead only to misery and disappointment. Not to mention a few lawsuits and possibly an embarrassing reality TV show. But I know you will leave here tonight with a new perspective on the choices to come. Someday, you yourself shall explore my mysterious depths. And when we meet again on that journey, I am confident you will make the right decisions. Because I am the cave. Ok, soit, c'est donc la fin du jeu. Ça n'a pas été une partie très très longue, hein, quand même, créée par Ron Gilbert. Donc je rappelle que Ron Gilbert, c'est le gars qui a fait les Monkey Island. Donc, espèce de petit génie. Tim Schafer, ça me dit quelque chose. Alors, attendez, parce que là, c'est pas un nom qui m'est inconnu, Tim Schafer. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ça a fait Tilt, je ne sais. Alors, ok, d'accord. Je suis désolé, j'ai Google qui me fait non. Ah, Tim Schafer, concepteur de jeux vidéo qui a bossé chez LucasArts. Vas-y, dis-moi plus, Wikipédia. Ah, bah oui, non, ok. Il était aussi sur Maniac Mansion, Monkey Island, Indiana Jones, Full Throttle, Grim Fandango, Psychonauts, Brutal Legend. Ah, d'accord, ok. Très bien, mec. Toi aussi, t'es une espèce de petit génie, quoi. Très bien, pas de soucis. Ah, ouais. Non, mais nice. Très bien, je... Ok, donc ce jeu est terminé. Alors, faut savoir que j'ai fini avec 3 persos. Je crois qu'il y en a 7 de disponibles au total. Welcome. Don't let my soul ah ouais, non, mais j'ai pas... Je me sens pas vraiment chaud de recommencer depuis le début. En tout cas, je dois vous avouer que... Bon, je suis un peu déçu, la vidéo va être très courte. Mais c'est une aventure que j'ai apprécié faire, en fait, réellement, The Cave. C'est très très sympa. On ressent bien le petit humour Ron Gilbert un petit peu. Voilà, c'est léger, mais en même temps, c'est assez ironique et il y a une petite touche super agréable. Si vous aimez ce genre d'humour, je vous conseille réellement de jouer au Monkey Island. Le 1 et le 2 sont faits par lui, le 3 non, mais il est tout aussi excellent, c'est celui auquel j'ai le plus joué. Je n'ai pas joué à la suite, malheureusement. Déjà, le 1 et le 2, bon, j'étais plus ou moins gosse et tout. J'ai essayé d'y rejouer récemment. Je pense en faire un let's play, peut-être que je ferai ça. Parce que j'avais recommencé une partie du 1, mais du coup, je pourrais peut-être la refaire en let's play complètement. Et voir un petit peu ensemble comment avancer. Donc, il y a des émulateurs, il y a Scum VM, et je devrais pouvoir stream. Ouais, faire des vidéos dessus. Ça va pouvoir se faire. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce jeu tout autant que moi, et sans déconner, c'était une bonne surprise. Je pense que j'en ferai un petit article, parce que le jeu est sympa, il est intéressant, il mérite d'être connu. En tout cas, merci d'avoir vécu cette aventure avec moi, et je pense qu'on se retrouvera très bientôt. Je vous souhaite en tous les cas une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.